Vous vous êtes fâché l'année dernière, vous avez dit maréchal, il n'y avait pas d'espace pour nos robes. Cette fois-ci, nous avons un couloir de 200 mètres carrés juste pour voir vos robes défiler sur du tapis rouge. Alors, habillez-vous comme jamais et souriez continuellement parce que vous serez filmé et ce sera en direct à la télévision, le Média 2 Africa. Matisse, est-ce que tu es prête? Are you ready? Yes, yeah, over to you. C'est juste que nous n'avons pas que les enfants qui sont nés ou qui ont grandi à Consamba. Nous avons Marquis Vanetti, ce que nous appelons les sympathisants. Et ça c'est vrai, that's true. We have people that just want to be with Consamba people. That's true, Marachal. Yeah, donc tout de suite et maintenant, je vais maintenant, nous allons passer à une cérémonie de naturalisation, une cérémonie de ceux-là qui, ayant observé le groupe Consamba, ont décidé de devenir membres. Et notre service d'immigration a accepté et a accordé ces gens-là qui vont devenir enfants de Consamba. Tout de suite et maintenant, je vais appeler l'officier d'immigration de Consamba en la personne de Madame Claire Tchétché. Madame l'officier d'immigration. Thank you. À sa suite, vous savez, pour les cérémonies de naturalisation, nous ne pouvons pas qu'avoir l'officier d'immigration. Tout de suite et maintenant, je vais appeler un monsieur qui a tout donné pour le Cameroun. Il est aux États-Unis aujourd'hui. Mesdames et messieurs, voici le commissaire du gouvernement de la République fédérale de Consamba. J'ai nommé Monsieur Jouawa. Voilà, je vous renvoie pour la cérémonie de la finalisation. Yes,
DJ Marshall, like you say, I'm going to go ahead and give the mic to City Pro, Ms. Claire Churchill, to let us know about this man standing here next to me. All right, Madame Claire. Hold on to what you're doing right now. Let us pay attention. Over to you, sir. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Au nom de l'association. Au nom de l'association Ofopon et en vertu des pouvoirs qui nous ont conférés, nous allons passer ce soir à la naturalisation de cette membre de l'association. Pay attention, please. Pay attention. Également sur la liste en ce moment et je vais appeler les noms et ces personnes vont se présenter. Ce sont les personnes qui sont naturalisées enfants de Consamba et qui vont jouir de tous les avantages prévus par la réglementation en vigueur. La nationalité sambalaise, je vais commencer par celle-là qu'on ne présente plus. Elle est forte de Consamba et au vu de son comportement, nous l'avons portée et elle est aujourd'hui naturalisée enfant de Consamba. J'appelle ici Madame Michèle Ewonet. Madame Michèle Ewonet. Certificat à une fille
au nom de vos fondements, en vertu des critères qu'ils ont bien déterminés, nous vous décernons ce certificat. C'est de ça qu'il s'agit. Et en tant qu'ancien maire de Consamba, je vous donne les clés de la vie. Oh, voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Merci monsieur le maire. Nous allons passer très rapidement au deuxième récipiendaire. Ce n'est personne d'autre que madame Eleonore. De madame Eleonore, allez-y, je vous en prie. Vous avez le diplôme de madame. C'est aussi celui que ça. That's how we do it. Félicitations. Merci, Bamona. Nous allons continuer avec ces récipiendaires. Et la troisième personne, hein, c'est quelqu'un qui est toujours au four et au moulin. Cette fois, ce n'est pas un homme qui a épousé une femme, mais c'est une femme qui a épousé un homme, qui a marié un homme. Et il est toujours en train de travailler au four et au moulin, il ne sait pas ce qu'il attend. Je vais tout de suite et maintenant inviter notre frère Jules Kafout Nati. Yeah, Jules Kafout Nati. Je vous passe la parole. Monsieur, ce n'est pas encore fini, s'il vous plaît. Venez prêter ses mains ici. Vous avez une opinion. Je m'en vais de la vie à respecter les statuts et les règlements de la vie. Je m'engage dès ce soir à respecter les règlements et les statuts de l'association groupe comme toujours. Le docteur Nancy, pour son certificat. Merci beaucoup. Tu es la bienvenue dans la communauté de Monsaba. Merci. Merci, merci Jules Kafout. Nous allons continuer avec les récipiendaires. Tout de suite et nettement, je vais appeler Monsieur Jersey Noumi. Jersey, un autre enfant de quoi qui, un autre enfant qui a eu l'intentionnalité de Consaba. Monsieur Jersey. Je vous assure que ces personnes ne s'attendaient pas à ceci.
tout derrière, il était tout derrière. Il est juste derrière, vous l'avez la rive. Merci Jazzed. Voilà quelqu'un naturalisé, enfant de Consama. Je vais passer la parole une fois de plus au commissaire du gouvernement de la République fédérale de Consama. Je m'engage dès aujourd'hui, à respecter les règlements et les statuts de la communauté profonde. Docteur Wendy, vous allez vous mettre ce diplôme, docteur. Merci. Voilà, on doit en ce moment clôturer cette cérémonie de naturalisation, également en appelant quelqu'un aussi qui a épousé une très belle fille de Consama. C'est mon frangin, c'est mon ami de tous les jours. J'invite tout de suite et maintenant le journaliste chevronné Olivier Soumoukou. Monsieur le journaliste, monsieur le président, vous allez le prier après moi. Je m'engage à partir de ce soir à respecter les règlements de la situation de l'eau. Je m'engage. La main en haut. Je m'engage solennellement à respecter les lois et règlements de la situation de l'eau en haut. Comme les erreurs que je vous fais, et je rendrai toujours service comme je le fais toujours. Merci. À la suite de mon frère Nati, je ne sais pas où c'est Dieu qui a fait, parce que j'ai vu de mon frère. Félicitations. Les jumeaux et Doulem doivent venir me remettre ce syndicat. Les jumeaux et Doulem. Mon ami, c'est mon gars. Si tu avais déjà des jumeaux, nous on va ajouter. Ok. Nous on va ajouter. Donc, ma fille, donne-moi ton doigt. Ça c'est le jumeau qu'on te donne. Hey, c'est pas sa femme. Ok. Nous tous sommes la bienvenue. Et pour le bonheur de tous, soyez comme d'habitude. Ok, d'accord. Mon fils. Nous on te donne notre fils. Ma fille, nous on te donne notre fils. Be careful. Merci, merci, thank you. Où tu vas la micro au sol au bureau, Adamo? Ok, nous sommes là. We reached the end of this swearing ceremony. I'm going to give the mic to the commissioner, the officer of the immigration, for the last word before we
l'officier de l'immigration, le commissaire, le mot de fin pour cette cérémonie de naturalisation. On vous donne la green card pour la deuxième étape. Et lorsque vous arrivez à la naturalisation, c'est comme c'est la dernière étape. Est-ce qu'on peut applaudir pour les enfants de Kosama? Voilà. Alors soumettez votre demande. Il y aura le service d'immigration de la République sambalaise qui va étudier et qui va vous rendre compte. Je vais dire bonsoir au docteur Yacob qui est parmi nous ce soir. Et bonsoir à tous ceux-là qui sont venus supporter l'événementiel. Bonsoir, merci, merci à tous nos partenaires. Et nous avons du soya en vente. Monsieur Honoré, il paraît que vous avez quelque chose à dire. Merci Maréchal, on est là ce soir pour s'amuser. On va danser, on va passer le temps dans le cérémonial. Simplement vous rappeler que l'événement des événements, c'est le 25 novembre 2022. Ce sera du côté de Maxi François. Vous payez $150, vous buvez autant que vous voulez. Ce sera la 7e édition des Africains de Washington. À $150 simplement, vous buvez autant que vous pouvez. Open bar, et on vous sert à manger sur place. C'est le catering qui sera là. Vous ne vous levez pas, on vient vous servir sur place. Alors, Captain Sen, merci pour le sponsoring. Les invités spéciaux, je pense comme ça au docteur Jacques Moussi, à Micheline, à Solange, et au docteur, à son épouse qui sont là, et à l'Ontario. Et je pense à cette famille de communicateurs qui vous a entretenu ici ce soir. Évidemment, sous la férule du maréchal Tchiano, certes, on m'a naturalisé du côté de Grand Samba, mais je rends service à Grand Samba depuis des lustres, ainsi que mon frère cher Gilles Capodati. Le maréchal Tchiano, les gens ont envie de danser, ils veulent danser le maréchal Tchiano. Ça fourmille dans leurs pieds, oui, ça fourmille dans leurs pieds. Je te laisse le soin de faire danser les gens. Tout à fait, monsieur Hilaire, venez, monsieur Hilaire. On va clôturer et après ça, ce sera la danse, ne vous gênez pas. Vous allez danser au moins pendant des heures, on n'a plus rien à faire. Prenez votre main en patience, nous sommes des spécialistes de l'événementiel et c'est pour ça que dès que vous voyez notre visage, que vous l'aimez ou pas, nous faisons toujours ça. Il est au retour. Je sais que vous voulez danser, mais nous sommes ensemble. Applaudissez, n'est-ce pas, pour cette cérémonie. Nous sommes venus, n'est-ce pas? Applaudissez quand même. C'est quand même comme ça va. Alors, mesdames et messieurs, nos amitiés et nos invitations comme ça au président Van Boulap qui est dans la salle ce soir. Alors, nous allons danser Maréchal. Si Didier Olivier est prêt, c'est quand même le meilleur. Didier Olivier, les hommes veulent danser. C'est parti! I'm gonna go to the hospital.
Thank you.
Thank you.
fond de bar. Last call for the bar. Également, qui ont, n'est-ce pas, fait des pieds et des mains pour que cette soirée.
soit une réussite vraiment exceptionnelle. Et nous leur mission très grandement et je suis sûr que les prochaines séances seront, n'est-ce pas, très courues, n'est-ce pas, par les gens du DNB. Merci beaucoup pour n'est-ce pas, cette organisation. Merci pour la soirée belle en couleur. Merci, n'est-ce pas, à Diane Deco qui a fait, n'est-ce pas, un travail exceptionnel pour que cette soirée soit vraiment très illuminée. Merci, n'est-ce pas, au DJ. Merci, n'est-ce pas, à tous les MC qui ont présenté cette soirée. C'était vraiment très exceptionnel. Et je vous remercie. Bonne soirée. Merci. Je suis là. Depuis que vous êtes aux États-Unis, vous avez vu Beyoncé. Je suis célébrité et non une vulgaire star. Je suis célébrité. Je suis chef d'entreprise. J'ai beaucoup à faire. Donc, ce n'est pas que je me fais rare. C'est que je suis occupée par l'entreprise. Donc, je suis heureuse d'avoir participé à l'événement de. Venant de Consamba, c'était vraiment magnifique. Mais la pluie d'aujourd'hui, là, j'espère que c'était une bénédiction des ancêtres. J'espère que la prochaine fois, ça sera encore plus grandissant. Donc, je vous dis merci. Et je vous remercie. Mais est-ce que vous viendrez au barbecue? C'est l'anniversaire de Princesse Ivanka, la fille de Donald Trump demain. Non, je ne sais pas. Je vais toujours faire une surprise. Merci beaucoup. Et je suis dans Beaufaucon. Aujourd'hui, c'était, n'est-ce pas, la première édition du gala Beaufaucon. Vous avez vu comment on a shot down d'ici. C'était à guichet fermé. Les billets sont vendus un mois avant. Désolé à ceux qui n'ont pas pu avoir les billets parce qu'on nous a payé de partout pour les tickets. Un gros big up, n'est-ce pas, comme ça, à l'équipe d'organisation. Je pense que quelqu'un ici. Un gros big up à tous ceux qui ont été présents aujourd'hui. Et n'est-ce pas, restez scotchés parce qu'il y aura encore plein d'événements de Beaufaucon. Ça, c'était la première édition et ça a été un succès total. Guichet fermé et désolé pour ceux qui n'ont pas pu être là. Vous avez raté la beauté aussi. Et maintenant, par rapport au président Django, le président Django arrive avec de très bonnes choses. Depuis des années, j'ai un peu pris le recul pour travailler plus pour les orphelins. Django font des choses. Et maintenant, j'ouvre cette rentrée scolaire Django American Bilingual School à Yaoundé. Et ce sont les projets qui m'ont occupé. C'est pourquoi j'ai été un peu absent dans le showbiz au DMV. Mais le Baobab revient, la légende revient et on va reprendre la commande parce qu'il y a deux ans au DMV. Et n'est-ce pas, un big up comme ça aussi à l'Atipo International, l'homme des événements, l'homme des caméramans sans frontières et à ma autre, voilà, la CEO de Firewatch du DMV, tous les supporters, les fans, le président de Django. Gros big up à vous, bisous. On travaille sur le projet. D'ici là, je ne vous mets rien, mais d'ici là, il y a de bonnes choses qui arrivent. Soyez scotchés, on va vous informer au moment venu. Mais nous travaillons sur les gros dossiers parce que 2022, ça va être non-stop. On va rattraper les années qu'on a ratées du showbiz. Mais on n'a pas raté le showbiz, on a pris une pause pour travailler sur le projet qui est le Django Foundation, Django Ring, American Bilingual School, qui est l'école américaine qui est de l'heure actuellement à la rue. C'est un enfant par Django Ring, c'est qu'il n'existe même pas. Ça m'a pris 2-3 ans pour travailler sur ça, mais c'est déjà prêt. La rentrée 2022, c'est ouvert. Donc, si vous avez des enfants, la famille, vous pouvez nous contacter à 657-09-71-71. Média 2, c'est ton tour le sponsor officiel, n'est-ce pas, de Django Hill American School, de tout le monde veut que les enfants puissent être. L'école vient à un très bon coup. Mes impressions sont celles d'une génération qui transmet le pouvoir à une autre. Vous comprenez? Je suis fier de mes jeunes frères qui ont pris sur eux de représenter Consamba dans le DMV et de le représenter de la bonne manière. On a estimé que nous on est la vieille génération, mais on a quand même toujours quelques conseils à donner et de faire ensemble que nous puissions penser que Consamba puisse devenir ce que nous avons toujours souhaité qu'il soit, c'est-à-dire la ville qui regroupe, la ville qui forme, la ville qui éduque, la ville qui rassemble et la ville qui donne la chance à tout jeune Camerounais d'éclore, c'est-à-dire d'aller vers l'avant. Et au jour d'aujourd'hui, si le gouvernement a peut-être failli dans ses perspectives, la diaspora est en train de remplir ce rôle. Et
sont sûrs que Consamba ne sera plus jamais comme avant. Consamba ira de l'avant. Nous avons créé en son temps des petites universités ou bien états qui pouvaient faire ça. Mais cette génération qui arrive, je suis sûr qu'ils vont faire mieux. Et ils vont faire plus. Parce que non seulement ils sont nombreux, mais ils sont outillés. Ils ont dans la tête quelque chose, ils ont dans la poche quelque chose qu'ils pourront offrir. Et nous ne pouvons que les encadrer, les solliciter de nous dire aussi d'être présents quand ils sont en train de faire des actions, pour qu'on les cible aussi que nous avons fait quelque chose. C'est l'occasion de rendre un particulier hommage au président Fleury Lambert Kamba, qui avec Mbando ont réussi à comprendre qu'on peut penser autrement. Il pense autrement et cet autrement va dans le sens de la constitution. Et nous ne pouvons que leur souhaiter bon vent. Merci pour vous, particulièrement à Média de l'Africa, qui est toujours présent pour tout ce qui compte dans nos vies. Nos vies de diaspora américaine, nos vies de JMV. Il y a quelques années, on n'aurait pas pu croire qu'on passerait par un médium pour être fier. Mais aujourd'hui, Média de l'Africa nous montre qu'on n'a pas de limite au Cameroun. On n'a pas de limite en Afrique. On n'a pas de limite. Et je suis sûr que, comme je serai en Europe en août, je suis convaincu que je vais retrouver Média de l'Africa dans un des événements culturels que je suis en train d'aller vous visiter. Merci. Et particulièrement, merci à mon fils, mon petit, qui est Lati. Kamfout, il a réussi à faire ce que beaucoup de Camerounais, quand ils arrivent dans ce pays, n'arrivent pas à voir. Il n'est pas arrivé sur un chemin tracé, il a tracé son chemin. Merci pour Média de l'Afrique. Déjà, si vous avez la soupe de sac, il y a toujours les dollars dans le sac. Il y a toujours les dollars, parce que c'est ça. Il y a toujours. Qui a dégainé? Non, on n'a pas dégainé, il y a toujours les dollars. Attends. Pourquoi? Parce que c'est ma façon de m'estimer toujours. On appelle ça le sac de farotage. N'importe quel événement que je fais dans les États-Unis d'Amérique, il y a un petit sac de farotage. Ça, c'est ma particularité. Et on me connaît par rapport à ça. Il y a des gens qui ont des petits spiatifs, des choses que moi, on m'appelle, j'ai le sang de farotage. Depuis beaucoup d'années, depuis de 3 ans, j'ai mon petit sang de farotage. J'aime donner, j'aime partager ce que Dieu m'a donné. Donc pour l'instant, mon avis est que je vais dire merci aussi. Je vais dire aux gens que je suis un gars de Consamba. Je suis né au quartier Saint-Barré, surtout les gens ne savent pas que je suis un gars de Consamba. Et j'ai fréquenté, on connaît Saint-Jean-Baptiste. J'ai fréquenté de la CIE jusqu'au coup moins 2. J'ai passé ces peu. J'ai fait le Saint-Jean-Baptiste de Consamba. Et après, je suis allé, j'ai commencé mes affaires internationales. Je suis allé en Angola, Afrique du Sud, machin. Je suis allé à Kenya, Dubaï, machin. Je suis revenu au Cameroun. J'ai essayé de faire des choses. Après, j'ai eu beaucoup de choses à expliquer ici. Aujourd'hui, on peut quand même dire quand même merci. On peut dire merci quand même. On peut dire merci pour ce que vous faites. Je vais rejoindre le groupe. Je vais rejoindre Bofoko. Je suis un gars de Consamba. Je vais rejoindre. Et il y a ça pour me construire. Il y a ça pour développer. Quand nous allons venir dans beaucoup de choses. Donc, thank you. Je remercie vraiment pour Média 2 Africa qui a couvert cette soirée. Je suis Siméon Emmanuel Chambe, le PDG de Cet Digital Solution, là où vous voyez souvent Camer Press Agency Online, mon journal. Donc, je suis vraiment très ému par cette soirée et je ne serai pas très long parce que je sais que mes prédécesseurs ont dit beaucoup de choses. Je voudrais seulement relever quelques points qui vont marquer tous ceux qui n'ont pas été présents. Je veux juste dire que quand on organise une fête pour la communauté, il faut faire vraiment l'exceptionnel comme ici ce soir. Nous avons constaté que pour une table de 10 places VIP à $100 américains, vous avez 2 champagnes, vous avez 1 whisky, vous avez 2 vins, vous avez de la nourriture
et ensuite vous avez le barbecue demain. Alors ça c'est le terminateur pour cette année. Il faudrait que les gens apprennent aussi, je sais que ça va faire mal à beaucoup, que les organisateurs apprennent à recevoir la communauté. Quand on paye un billet, on vient pour une soirée, on doit au minimum consommer, on doit au minimum manger et ensuite écouter le discours de ceux qui présentent leur projet et participer pour ce projet. C'est l'amour, c'est le cœur qu'on a. Donc nous sommes prêts à soutenir tous les ressortissants de Consamba dans leur projet. Et moi je suis prêt quand ils viendront avec des projets futurs. Nous avons contribué pour la soirée, mais déjà quand ils viendront avec d'autres projets futurs, je suis prêt à contribuer individuellement. Et je vais encourager les gens à côté de moi à encourager la communauté qui est en train d'organiser cette soirée. Parce que ça, c'est l'exceptionnel, acceptons-le, et les gens devraient copier ce qui est bon. Merci beaucoup, Monsieur Lati. Merci pour Média 2 Africa, qui fait tout ce qu'il peut faire pour partager l'information, pour rendre ce qui a été fait dans la DMV. Merci beaucoup. Bye bye.